J'ai vendu ma maison et j'ai quitté mon boulot. Et j'ai débarqué dans cette ville dont j'avais jamais entendu parler, tout ça pour m'installer là. Oh non. En tant que maire de Virgin River, je tiens à vous souhaiter officiellement la bienvenue dans notre petit coin de paradis. Et à l'évidence, je ne peux pas rester ici. Je n'ai pas encore nettoyé. C'était un nid d'oiseau. Vous venez de sortir un nid d'oiseau du four? Wow, je savais pas que les citadines encaissaient le whisky. Qu'est-ce qui vous fait croire que je viens de la ville? On n'a pas trop l'habitude des touristes dans le coin, surtout d'aussi charmantes que vous. Ça marche vraiment, cette technique d'habitude? Je suis la nouvelle infirmière. Je n'ai pas besoin de vous. Oui, mais j'ai signé un contrat. Pas avec moi, c'est sûr. Tu es têtu comme une mule. Je devrais peut-être y aller, non? Allez-vous-en. Je m'inquiète pour toi. Rentre à la maison. Arrête de chercher à te punir pour ce qui s'est passé. Personne ne te reproche quoi que ce soit. Je continue surtout à me dire que je devrais mettre mes valises dans le coffre et rentrer bien sagement à la maison. Que dirais-tu d'une démonstration d'hospitalité locale? Tu devrais plutôt te concentrer sur la balle. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Je suis avec une patiente. Oh, on m'a dit que vous étiez canon et on m'a pas menti. Alors, vous venez d'emménager ici? Dans les petites villes, Internet est à la ramasse, mais les nouvelles vont vite. Je vois. Tu refuses d'affronter le passé ou l'avenir. Tu t'es enfui sur un coup de tête. Je suis venue ici parce que je pouvais aider les gens. Je sais combien c'est dur de prendre un nouveau départ. J'espère que tu resteras dans le coin.